Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne du Community TV. Alors, on va apprendre ensemble la langue portugaise du Brésil. Alors, bienvenue et bienvenue au Brésil. Alors, dans cette vidéo, écoutez bien, dans cette vidéo, on va parler de verbe avoir. Le verbe avoir au présent. Verbo ter, dire ce qu'on possède, tout ce qu'on a. Tout ce qu'on appartient, tout ce qu'on appartient, dire ce qu'on possède, l'âge d'une personne, décrire une situation et sentiments et sensations. Je parle portugais du Brésil et je vous présente maintenant le verbe avoir au présent. Normalement, on dit j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Pour le verbe avoir, en portugais, on dit ter. Eu tenho. Eu tenho. Você tem. Ele, ela tem. Eu tenho. Você tem. Você tem. Ele tem. Ela tem. Nós temos. Nós temos. Vocês têm. Vocês têm. Eles, elas têm. Eles, elas têm. Eu recomeço. Eu tenho. Você tem. Ele, ela. Nós temos, vocês têm, eles, elas têm. D'accord? Alors, je vous donne une autre information concernant le verbe avoir. Peut signifie le verbe exister. Verbo existir veut dire tout simplement le verbe avoir. Mais le verbe avoir, ça n'utilise pas fréquemment. En portugais du Brésil. Au lieu de dire a muita, par exemple, on dit tem muita. Ça veut dire il y a. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup d'options. Il y a beaucoup de plages. Voici donc la traduction. Alors, il existe deux manières de traduire il y a. Soit on dit a, c'est le verbe haver. Soit on dit tem, c'est le verbe ter. Mais fréquemment, on utilise le verbe avoir, verbo, tem. Il y a beaucoup de gens. Ok, de sen veut dire tem muita gente. Che na vera de sena. D'accord? Je répète. Tem muita gente. Che na vera de sena. Ça veut dire il y a beaucoup de gens. Ok, de sen. Alors pour traduire, il y a beaucoup d'options. Il y a beaucoup d'options. On peut choisir. Ah, muitas opções. Há muitas opções. No menu. Ou on peut dire aussi, tem muitas opções no menu. Tem muitas opções no menu. Ça veut dire, il y a beaucoup d'options dans le menu. Tem muitas opções no menu. Par exemple, il y a beaucoup de plages au Brésil. On dit, tem muitas praias no Brasil. Há muitas praias no Brasil. Há muitas praias no Brasil. Tem muitas praias no Brasil. C'est-à-dire, il y a beaucoup de plages au Brésil. Voilà. On vient d'apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Obrigado. Et à la prochaine.